ont déjà commencé. Hein. Mais j'ai effacé. Alors tous les matins, je vérifie. Wilfried, tous les matins, qu'est-ce que tu fais dans le bus alors? Enfin, je vérifie d'abord le moteur, le niveau d'huile, l'eau. Tous les matins. Et puis à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe des fois à l'intérieur? À l'intérieur, je vérifie derrière le dossier des sièges. C'est à des élèves qui s'amusent à écrire des dessins derrière les dossiers. Eh ben dis donc. Oui. Au feu. J'ai commencé, mais. Tu arrives à enlever. Oui. Heureusement. Et le bus, il est âgé de quel, le combien? Tout à pis. Ouais, c'est tout à pis. C'est tout à pis. Un mois, deux mois? Non, même plus. Trois mois. Trois mois à peu près. Ok, merci Wilfried. Tous les matins, je remplis mon carnet de bord. L'heure, la date. Oui, oui. Le kilométrage. Tu notes aussi le nombre de passagers, non? Non. Pas ça. Non. Ok. Moderne. Ah oui. Il y a pas. Pas t'aider. Hey, bonjour. Go. En forme. Hey. Demain férié. Content de te voir dans notre bus. Oui, ben un jour je m'éclate.
Alors, qu'est-ce que vous faites là? On attend le bus. Alors, et avant, tu prenais quoi? Avant le bus, comment tu allais à l'école? Quand j'ai préparé. En truck? Oui. Non, t'as pris le truck déjà? Oui. Alors, qu'est-ce que tu préfères, le bus ou le truck? Le bus. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux? Oui. Pourquoi oui. C'est mieux? Il y a la clim dedans. Et il y a même la télé? Oui. Oui. C'est tout happy. Bonjour les enfants. Bonjour. Allez. Rana. Rana. Ça va, mamie? Ouais, ça va. On se retrouve à l'école, hein? Hein? Pas tété, je t'attends à Yata. Ok. Allez hop, un coup sur les mamies. Je suis contre le jour, ma pauvre. Vous attendez le bus pour aller à l'école? Ah, ah non! On accompagne nos petits-enfants. Tous les matins? Parce que c'est dangereux de rester. Voilà, laisser les enfants tout seuls au bord de la route. Dangereux. Ouais. Voilà, vous les surveillez. Mais le petit, il a traversé. Voilà. Ben les enfants de l'autre côté, ils viennent là. Ils viennent là. Hein. Ouais. Et pourtant, on m'a dit que le bus, il fait l'aller. Normalement, il ramasse de chaque côté pour pas que les enfants traversent. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais bon. Là, comme il y a la voiture, l'ambulance. Ils passent, ben ils viennent acheter quelque chose, les bonbons abondants. Marou, mamie, bonne journée. Marou. Merci. C'est 10 000 la photo. Ok. Tu vas pas là?
Patété, depuis combien de temps tu fais accompagnateur sur les trucks, les bus, tout? Moi, ça va faire là au mois de juillet 2 ans. 2 ans, je suis ASP à la commune de Tatopoteau, hein, agent de sécurité publique. Et nous, ça consiste à mettre en sécurité les enfants. Dès qu'on commence le matin, nous, on est là-bas à l'école à 5h45. Ben, dès qu'on est là-bas, nous, on est responsable des élèves qui sont aux abords des écoles. Hein, parce que nous, on attend le bus à Riata. Dès que le bus arrive, il y a des élèves qui montent. Et puis après, ben, on fait le trajet jusqu'à PK3, là où il y a la ligne droite de Floss. Le dernier élève, il est là et puis on revient. Alors, tu m'as expliqué tout à l'heure que vous ramassez les enfants de chaque côté de la route. Pour quelle raison? Alors, la raison, c'est que quand on va sur la ville vers Tepoua, on ramasse tous les élèves du côté droit. Et après, les autres de l'autre côté? Ben après, les autres de l'autre côté, on les récupère au retour. Mais il y a certains élèves qui ont demandé à ce qu'on les récupère à droite alors que... ils sont à gauche. C'est pour éviter qu'ils traversent? Ça, c'est pour éviter qu'ils traversent. Hein. Mais il y en a qui traversent quand même. Mais il y en a qui traversent quand même. Parce qu'ils, pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils veulent vite monter dans le bus tôt le matin. Ils ont envie de monter dans le bus de Tapou. C'est sécurisé, il y a la clim. Il y a la télé. Il y a la télé, tout le monde est joyeux. Attends, merde. Alors, il y en a qui habitent, on va dire côté Outard, côté montagne, oui. Mais il se lève avant, ben, il se et lève, pour aller de l'autre côté, pourquoi faire? Il se lève plus tôt pour pouvoir venir de l'autre côté quand on va sur la ville ramasser les enfants, c'est pour pouvoir vite monter dans le bus. Wilfried, le nom de famille? Tefaaura. Tefaaura, attends, le micro il va. Wilfried, depuis combien de temps tu fais ce métier transport en commun? Ici à Tepoua, en moins d'août, j'ai fait 3 ans. 3 ans, ça fait 3 ans. Et transport en commun. Hein. Ça fait plus longtemps que tu as le permis transport ou tu l'as passé? Ça fait longtemps. Mais avant, tu faisais quoi alors? Les trucks aussi, tout ça? Ou oui, les trucks. Les trucks, c'est pour privé. Privé, hein? Oui. D'accord. Nous, comme c'était alors, Camille, pour les transports. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de conduire un bus moderne comme ça? Ça fait plaisir? Ça change, oui, beaucoup plaisir. Ça change. Les enfants m'ont dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a la clim. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, il y a la clim, il y a la musique, il y a l'écran plat, tout. Et tu... Bien confortable. Voilà. Tu passes combien de temps en fait en nombre d'heures par jour pour le ramassage le matin et le soir, en tout à peu près? En tout, 4 heures. 4 heures en tout quand même, hein? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème depuis que tu fais ça? Des risques d'accident, non? Tout si, 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 si. Il y a tout ça, il y a des risques. Les enfants traversent des fois sans... Ben, pour moi, heureusement, j'ai un convoyeur. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour le monde.